Ce conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Cette semaine, j'aborde un sujet qui fait grincer des dents, les yips, sur les coups d'approche. Au fil des discussions avec les différents golfeurs et golfeuses, je me rends compte que l'anticipation à deux niveaux est très importante. Un, l'anticipation du résultat. Mais pour effacer tout ça, il faut répondre à une question bien simple. Qu'est-ce que j'ai à faire physiquement au-dessus de la balle? Si vous n'êtes pas conscient ou consciente de l'amplitude, la force et la vitesse que vous devez développer, vous allez anticiper le résultat, vous serez dans le futur. Et aussi, autre notion d'anticipation, c'est du contact avec le sol. On veut faire contact, mais juste avec la balle. En fait, c'est primordial de toucher le sol pour maximiser la qualité de votre impact. Rappelez-vous que votre mouvement, vous le produisez pour toucher le sol et non soulever la balle. Si vous arrachez rapidement des mottes de gazon avec cet exercice, bien dites-vous que vous utilisez la portion avant, la portion tranchante de la semelle, ce qu'on appelle en anglais le leading edge. Et ça, c'est dû au fait que les mains, en fait, sont devant la balle à l'impact. Résultat, la tête de cocheur ne glisse pas, elle s'enfonce dans le sol. On veut utiliser la portion arrière de la semelle. Évidemment, c'est important de toucher le sol au bon endroit et c'est tout juste devant votre centre. En plaçant une balle en ligne avec le centre de votre position des pieds, vous allez effectuer des élans de pratique en retrait, sans toucher la balle. Le but est de toucher le sol et de faire rebondir la tête de votre cocheur tout juste devant la balle. La finalité, ce n'est pas l'impact. Votre travail n'est pas terminé tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas face à la cible et que la tige de votre cocheur pointe à droite de votre cible. Pour les golfeurs droitiers, ça va vous permettre de répondre à la question « Qu'est-ce que j'ai à faire physiquement? » Votre intention de faire un mouvement A à B doit être plus fort que votre intention de soulever la balle. Une fois que vous êtes habitué à toucher le sol au même endroit et avec régularité, on peut le faire avec différentes vitesses. Et c'est là que la finesse s'installe. On doit être en mesure d'utiliser simplement la gravité, le poids du bâton, pour développer de la vitesse et non tout simplement de la force musculaire. Mouvement actif, où musculairement je développe un rythme. Mouvement passif, où je laisse la gravité produire la vitesse. Le résultat est différent, mais mon intention physique est le même. Faire rebondir le bâton au sol et venir pointer la tige de mon cocheur du côté droit. Et ce, peu importe l'intensité du contact avec le sol. La grande différence entre les deux, évidemment, au niveau du résultat, c'est la distance. Mais pour ce qui est de la technique, c'est dans la transition. Et je suis persuadé, pour les problèmes de yips pour plusieurs personnes, c'est là que la solution se trouve et non au niveau de l'impact. Bien souvent, lors de la transition, c'est là qu'on anticipe l'erreur, qu'on anticipe le résultat. C'est à cet endroit que l'on doit être conscient de ce qui nous reste à faire. Vous allez effectuer des élans de pratique, mais immobilisez votre geste lors de la transition et gardez la position plusieurs secondes. Le but est de sentir la pesanteur du bâton et de vous concentrer sur les objectifs. Qu'est-ce que j'ai à faire physiquement? Je dois toucher le sol et faire pointer la tige de mon bâton à droite de la cible. Donc, de cette position, relâchez tout, touchez le sol et tournez vers la cible. Quand vous faites cet exercice pour la première fois, le but n'est pas d'obtenir des impacts parfaits, mais c'est d'être à l'aise, de ne ressentir aucune tension quand vient le temps de relâcher le bâton et d'attaquer la balle. Concentrez-vous sur les mouvements que vous avez à faire, c'est-à-dire de cet endroit, toucher le sol et pointer votre bâton à droite de la cible. Ça va prendre du temps, patience. Le défi n'est pas de frapper la balle, rappelez-vous, mais de toucher le sol. Elle, la balle, lèvera tout seul. Bon golf!